on a au moins une certitude, c'est qu'il y a un champ d'innovation qui est en train de s'ouvrir à l'agriculture, absolument formidable. Pourquoi avoir réuni tout ce beau monde ici au niveau de l'Arche de la Défense ? Vous êtes avec nous, on va essayer de vous convaincre aujourd'hui de travailler ensemble, de co-construire et puis d'améliorer le système. Aladin.farm, c'est porté par votre union nationale. Donc nous sommes quelque part à votre service et au service de votre projet d'entreprise. En fait, Aladin, c'est une plateforme digitale collaborative. Pourquoi tu as tenu à mettre en avant La Poste comme un exemple à suivre pour InVivo et pour les coopératives? Parce que c'est une entreprise française qui nous ressemble quelque part. C'est une entreprise qui est profondément ancrée sur son territoire. Qu'est-ce que la digitalisation à La Poste, dans ton métier de factrice, a changé dans ton quotidien? C'est une grande aide au quotidien, on gagne beaucoup beaucoup de temps. Ouais. Et on est content de l'avoir et on ne reviendrait pas en arrière. Ça m'a fait beaucoup progresser, aller de l'avant dans mon métier. C'est une journée qui nous permet d'échanger, donc c'est dans l'échange, c'est bien, on peut poser des questions et on répond à nos questions. C'est la coopérative qui va vraiment définir à qui elle veut ouvrir la plateforme, les droits qu'elle veut donner à ses adhérents. C'est vraiment la coopérative qui a la main. Aladin.farm, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est les coopératives qui ont décidé de le créer. Il faut que ce soit un projet qui soit mutualisé et qu'un maximum de coopératives soient avec nous parce que c'est un enjeu fort pour demain. Aladin est un accélérateur, un levier qui va permettre d'accroître notre réactivité pour adapter notre modèle. Donc le niveau d'exigence se monte parce que, encore une fois, nous sommes plutôt précurseurs vis-à-vis du monde agricole qui est très digitalisé. On apprend des choses, donc c'est très intéressant. On nous a expliqué l'interface, on nous a expliqué comment allait fonctionner Aladin. Donc là, à l'instant T, dans la seconde, votre adhérent a reçu un mail, il a reçu une notification, et sur Aladin, son panier est pré-rempli, il n'a plus qu'à rentrer dans son tunnel d'achat. Donc vous allez être capable de cibler le bon produit au bon moment pour le bon adhérent. Aujourd'hui, ce qui motive l'achat, et c'est vrai aussi dans la grande consommation, c'est le service. L'important n'est pas de savoir où est le produit, l'important est de savoir à quel moment il doit être disponible pour l'agriculteur. L'outil est très bien, d'une part pour les agriculteurs, parce qu'ils peuvent avoir accès à la plateforme, et puis pour le technicien, parce que le technicien peut, lui, voir quels agriculteurs ont été voir sur la plateforme. On voit bien que ça va remettre le TC dans son expertise. Le technicien va être là pour porter un maximum de renseignements, d'informations concernant ses produits. Nous avons, mais ça vous le saviez déjà, les meilleurs techniciens de France. Ils sont dans la salle. Là, on a vraiment franchi une étape avec des fonctionnalités ouvertes au TC et c'est un vrai changement par rapport à la première version. L'idée, c'est de viser Amazon hein, parce que notre conviction, c'est que dans le B2B, il y aura la même exigence que dans le B2C. Ensemble, peut-être qu'on va des fois un peu moins vite, mais on va beaucoup plus loin. C'est pas nous qui allons imaginer le futur, c'est vous qui allez imaginer le futur. Dans un an, ici, nous ne sommes pas 500, nous sommes 1000 et nous adressons, allez, 100 000 agriculteurs. J'ai vu l'évolution depuis le début d'Aladin, donc ça c'est intéressant aussi de voir la vitesse où ça avance, c'est super. Ça présage beaucoup de possibilités pour les coopératives, clairement, et c'est l'avenir, donc moi j'y crois.